Hello, my students. Now we will do science. MI, book, grade 5, part 1. Make sure that you have your copy book as well, a pencil, and an eraser. Let us start. Open your book on page 88. Ouvrez votre livre à la page 88. Our topic for today will be a new one. The topic is animals in their habitats. Donc maintenant, on commence un nouveau topic qui est à propos des animaux et de l'endroit où ils vivent. Allons commencer à lire. Page 88. I remember. Our environment is everything that is around us. Alors là, on donne une phrase juste pour nous souvenir que notre environnement, c'est tout ce qui se trouve autour de nous. Donc, tout ce qu'on voit autour de nous, it is our environment. Where can we find a deer? On vous pose une question en vous demandant où est-ce qu'on peut trouver un cerf. Can an animal live in different places? This is another question. On vous demande est-ce que les animaux peuvent vivre dans différentes places? There is a variety of animals in our environment. Il y a plusieurs types d'animaux dans notre environnement. Many of us have seen fish in rivers and the sea. Beaucoup d'entre nous ont vu des poissons dans la rivière et aussi dans la mer. Birds build their nests in trees. Les oiseaux font leur nid dans les arbres. Forests are full of many different animals. Les forêts sont remplies de différents types d'animaux. Where else can we find animals in our environment? Où est-ce qu'on peut trouver d'autres types d'animaux dans notre environnement? Donc là, on nous a dit par rapport aux arbres, à la mer, la rivière et les forêts. Mais quels sont d'autres types d'animaux où on peut trouver dans notre environnement? Let us find out. Allons voir. Now we will do activity 4.1. Classifying animals living in different habitats. Alors, cette activité sera par rapport au fait de classifier les animaux dans leurs différents habitats. Comme on peut le voir ici, on a eu des exemples. Par exemple, birds, c'est par rapport aux trees. Fish, c'est rivers, sea, et ainsi de suite. Donc là, on va apprendre les animaux et leurs différents habitats, les endroits où ils vivent. This activity will help you classify animals depending on the place or places where they live. Cette activité va nous aider à pouvoir classifier les animaux dépendant leur place ou les places où ils vivent. C'est important de savoir qu'un animal peut vivre dans différents types d'endroits. Par exemple, on a vu que fish, ça peut être in rivers and sea as well. Donc, par exemple, les poissons, ils peuvent vivre dans la rivière, mais aussi dans la mer. Allons continuer. I remember. When you classify, you group objects or things together. Animals live in many different places. Animals live in fresh water, in brackets, ponds, lakes, rivers, and then salt water, en brackets on a lagoons, oceans, forests, trees,
the soil and in the sand. A habitat is the place where an organism lives. Alors ici, on nous dit que pour pouvoir classifier ces animaux, va falloir les regrouper. Donc, pour pouvoir les regrouper, va falloir savoir quelles sont les places. On nous dit que les animaux vivent dans différents endroits. Par exemple, animals live in fresh water. Quand on parle de fresh water, on fait référence aux ponds, lakes, rivers. Donc, va falloir regrouper le tout. Va falloir regrouper le tout. On va pas dire ponds ou lakes ou rivers. On va tout simplement dire que c'est fresh water. On va regrouper le tout. Si on parle de lagoons, oceans, on va parler de salt water. On va pas écrire lagoons ou oceans, on va écrire salt water to cool. Maintenant, si c'est par rapport à la forêt, on va écrire forest, on va écrire trees, ou si c'est soil ou sand. Mais pour fresh water et salt water, faudra regrouper. Maintenant, on dit que a habitat is a place where an organism lives. Donc, c'est l'endroit où un être va vivre. Par exemple, là, on est en train de parler des animaux. Donc, c'est l'endroit où les animaux vont vivre. Let us continue. The list below gives the names of some common animals that we see in different places in the environment. Discuss with your friends and find out where these animals live. On nous donne une liste plutôt longue ci-dessous en nous demandant de classifier ces animaux-là, c'est-à-dire de dire où est-ce que ces animaux vivent. Alors, allons lire la liste. Deer, flies, mosquito, caterpillar, jellyfish, whale, lizard, polyps, monkey, cockroach, bat, duck, dragonfly, eel, crocodile, shark, octopus, dolphin, shrimp, oyster, crab, sea cucumber, snail, ant, centipede, white pig, hare, snake, and butterfly. On nous dit, list down the places where they live. Donc, par rapport à cette liste, va falloir dire où est-ce que chaque animal vit. Maintenant, vous remarquerez que c'est une question discuss with your friends. Vu que pour le moment, on ne peut pas être ensemble pour faire un discuss, ce que je vais vous demander, ceci n'est pas un homework, vu que c'est un discuss, ce n'est pas un homework. Ce que vous allez faire, c'est d'essayer de deviner les endroits où ces animaux vivent et de noter vos idées, les recherches que vous allez faire dans votre cahier, afin que dès que c'est possible, on va faire le discuss tous ensemble. Page 89. Maintenant, on va voir la page 89. Now fill in table 4.1 below. On va voir la table. Cette table-là, c'est par rapport aux questions qu'on vient de voir. Name of the animals, place where the animals live. Donc, première colonne, va falloir mettre tous les noms qu'on a eu dans la liste par rapport aux questions. Et deuxième colonne, place where the animals live, ce sera là où vous allez noter vos idées. Allons voir l'autre boîte. Questions. Maintenant, à savoir que ces questions ci-dessous sont par rapport au fait qu'on vous les pose pour que vous réfléchissiez. Donc, va falloir pas, c'est pas un homework. Donc, ce que vous allez faire ici, c'est tout simplement, vous allez réfléchir aux réponses possibles, les noter comme vos idées, et dès qu'on sera tous ensemble, on va réunir toutes vos idées afin de trouver les réponses ensemble.
Réfléchissez d'abord aux questions par vous-même. Allons voir les questions. The monkey lives on trees. It moves from one branch to another very easily. How does it do this? On vous parle, on vous dit que les singes vivent sur les arbres. Donc, un singe arrive très facilement à bouger de branche en branche. Comment fait-il cela? Donc là, on parle des singes sur le fait qu'ils vivent sur les arbres et que très facilement, ils arrivent à bouger de branche en branche. Comment ils font cela? Autre question. Can the deer live in water? Est-ce qu'un cerf peut vivre dans l'eau? Say why. Pourquoi? Donc, par rapport à votre question, yes ou no, vous devrez justifier votre réponse. Pourquoi oui? Pourquoi non? Give a reason why the fish lives in water and not on land. Donnez une raison pourquoi le poisson vit dans l'eau et non pas sur terre. The other question. Name an animal that lives both on land and in water. Donnez-nous le nom d'un animal qui vit sur terre mais aussi dans l'eau. Réfléchissez aux questions et notez vos idées. Continuons. Animals live in different blank. For example, the deer lives on land, the bird lives on the branches of trees, and the fish lives in water. Toujours notez toutes les idées que vous avez eues dans votre cahier et dès que ce sera possible, on va utiliser toutes vos idées, faire un discuss et afin de pouvoir avoir les réponses.